Bonjour tout le monde, ici PicoPofQC pour un autre épisode de Pikmin 2. Donc on est à la partie 15. Donc on va continuer à explorer la source troublante pour trouver les deux derniers trésors à la surface. En même temps, on va essayer de trouver l'emplacement des deux autres donjons. La date, le plus haut que j'ai eu, c'est 16. Donc 14, c'est pas le plus haut que j'ai eu. Fait qu'on y va, on commence ça. On a deux trésors à trouver. Je suis quand même curieux de voir qu'est-ce que ça va être. Je vais quand même prendre des bleus, vu que principalement ça va être les bleus qu'on va utiliser dans cette map-là. Donc voyons voir un peu où est-ce qu'il faut aller. D'après moi, ils vont tous les deux être là. On va aller voir ça. On a des grenouilles. J'ai été chercher le trésor ici. Oh oh! Comment tu veux que... Oh, what the fuck? Il va falloir des jaunes. Mais comment? Je vois qu'il y a plusieurs zones avec des jaunes que j'ai besoin. Oh! Je vais pas faire la même erreur deux fois. Je vais me chercher d'autres... D'autres jaunes... d'autres bleus. Je vais pas attendre 30 minutes pour ouvrir une zone. Non, j'en ai en masse des bleus. Je vais en prendre 30 autres. J'ai comme l'impression qu'il va falloir qu'on... Qu'on enlève l'eau. Donc on va aller voir. On va aller voir. En gros, on a... Je sais pas comment de... Alors, cette vidéo-là, ça va être... Quand même pas mal juste l'exploration terrestre. Donc... Je garantis pas. J'ai 59 Pikmin sur la porte, je veux dire, m'emmener. Je veux voir ce qu'il y a par là-bas. Des œufs. Il y a un donjon là. Pas bien ça. Je sais pas si bon. Je vais enlever l'eau, je vais voir si je suis capable d'enlever l'eau. C'est faisable. Quelque chose, je sais pas. Oh attends, je pense que oui, effectivement, il y a quelque chose là. Peut-être que je devrais aller chercher des jaunes en même temps, mais est-ce que c'est possible pour moi de prendre des jaunes, les emmener là, détruire la porte? Ça pourrait être faisable aussi. Je veux dire, si j'ai pas... Je vais faire une petite tour de reconnaissance, mais... Peut-être que c'est ça le truc. C'est peut-être ça. Peut-être que je peux pas enlever l'eau. Mais je vais devoir emmener beaucoup de gens.
je vais explorer vraiment la section là-bas. Là, je me trouve où, là? Je me trouve là. J'ai une petite section ici. C'est sûr qu'il y a un trésor là. En tout cas, s'il y a un trésor là, il doit y avoir un trésor ici. What the heck? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok. Allô? C'est la même version que ceux qui sont en surface, qui ont l'air identiques. Ok, je vois le trésor, il est là. Comment tu veux que je me rende là? C'est pas lui qui enlève les... On va trouver un autre donjon. Ok, le donjon là. Intéressant, les profondeurs de cette grotte semblent être submergées d'eau. Hélas, je ne suis qu'une machine fragile vulnérable à l'eau. Vous devez y aller sans moi. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous rappelle que je coûte très cher. Bon, d'accord, j'ai compris. Je vous accompagne. Mais cette utilisation abusive des biens de la société sera mentionnée dans mon rapport. Ça, je crois que c'est juste Pikmin d'eau. Serait-il logique? Mais je peux pas entrer dans ce... D'avoir un trou à quelque part, comment? Comment tu veux que je me rende là? On a un petit problème là. Je sais que dalle quoi faire. Ben, je sais que dalle quoi faire, je veux dire. Où c'est ça? Ou non? Je vais essayer de trouver une façon. C'est un genre de puzzle. Thank you.
Ah merde. Oh non. Je sais pas si on va se rendre jusqu'au bout. Faut se dépêcher. Oh god, c'est en par là, ok. Il va falloir qu'on fasse attention. Peut-être des monstres là. J'ai des Pikmin tout seul ici là. Go 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 go, on y va. Go 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 go. 4 3 2 quand même eu le trésor qui manquait. Ceinture de massage. C'est beau. Terminer la journée. Ok, c'était juste. Mais on a réussi. Donc, il va nous rester un item. D'après moi, j'aurais été capable de, en une journée, de l'avoir. Rapport du jour. Fond recueilli. Ceinture de massage. Olimar, tu as aujourd'hui reçu la prime que tu mérites tant. C'est un grand jour, hein? J'ai acheté des jouets aux enfants, ils étaient fous de joie et moi aussi. Bon. On a pas eu la petite fille, ben? On a un nouveau trésor.
Vous avez acquis la série industrielle, des outils robustes pour un monde libre. Rassemblez... Gravitationnel, centripète, dynamique, électromagnétique, centrifuge, cet objet transcende toutes les lois de la physique. Voilà le volant le plus gros, le plus rapide, le plus puissant et le plus moderne de toute la galaxie puisqu'il est impossible à mesurer sa puissance. On ignore quel est son vrai potentiel. Donc là, on a plein de nouvelles affaires. Ceinture de massage. Il arrive même à des explorateurs aussi charognés que moi de se perdre dans l'immensité de l'univers. Je dois rester calme et procéder à une exploration méthodique de chaque région. Je suis fatigué de marcher, je vais attacher cette étrange ceinture en métal autour de ma taille. Elle aura peut-être un effet relaxant. Fustigation spirituelle. Conçu pour tous les chefs d'entreprise du système solaire, cet objet a une forme ésotérique qui envoûte le cœur des hommes. Offrez-le à un employé, il deviendra une bête de travail qui n'a besoin ni de jours ni de congés, ni d'augmentation de salaire. Ce dispositif a été conçu selon le principe de stabilométrie. Il peut maintenir n'importe quoi en place. Les typhons galactiques ne sont donc plus à craindre. Comparé à la résine époxyde standard, cet objet est 2 fois, 4 fois non plus. Cette vis en métal est 256 fois plus résistante. Avec un outil pareil, je peux tout faire tenir. Nul n'ose croire à l'existence de ce monde brutal où il faut toujours porter une armure en acier pour se protéger. Certes, cet objet n'est pas très esthétique, mais qu'est-ce que vous préférez? Être à la mode ou être en sécurité? Cet objet ferait une ceinture lombaire parfaite pour les pères. Il possède même un masseur intégré. Cet objet est indispensable pour faire des réparations d'urgence sur un vaisseau. Il peut sauver des vies. Sa puissance adhésive est si grande qu'il est impossible de le décoller une fois appliqué, même chirurgicalement. Les trousses de réparation des vaisseaux sont généralement simples à utiliser et très pratiques. Celle-ci est un peu usée. Sa force adhésive n'est plus que ce qu'elle était, donc je suis prêt à la vendre à moi ses prix. Cet objet a absorbé la colère du monde naturel pour la convertir en pouvoir adhésif à l'état brut. Puisque la société moderne n'est pas très attentive, cet article possède une durabilité presque éternelle. Je vais prendre quelque chose d'avoir une petite gorgée. J'en parle beaucoup. Et je continue. Donc là, vous devez rester juste un objet. On sait y est où. Pour que ça soit pas trop compliqué. En même temps, on va ouvrir la porte d'accès pour la zone. On va prendre le plus de Pikmin jaune possible. Prendre 60. Je sais pas s'il y a des Pikmin jaunes. J'ai déjà perdu un. Fantastique. Mort. C'est pas grave. On peut s'arranger. On a pas mal de... Attends. Je vais en prendre quelques-uns. Ouais, on peut prendre ça. Yeah.
Les autres vont faire cette porte là. Les autres vont faire cette porte là. Putain, je peux faire le tour. Attends, checker ça là. Ça va juste prendre le... Que les go, les amis. C'est pas grave. Continue. On a pas mal tout détruit ici. C'est pas lui. Là, ce que je veux faire, c'est détruire ça ici. Okay, les autres, je vais les emmener au bas. So... So, vous allez ici. Je pense que 30 serait correct. Bleu. Les jambes, ben je vais les je pense que je vais les booster un petit peu parce qu'il m'en manque un petit peu la façon que je vois ça. J'ai pas beaucoup de jambes comparé aux autres. Un autre donjon. Les senseurs olfactifs semblent réagir. Une odeur pénétrante se dégage de ce trou. Je suis une machine et je suis donc incapable d'analyser les odeurs, mais vos regards sont éloquents. Vous saviez tous les deux, j'aimerais tant pouvoir saliver moi aussi. Oh, il a l'air d'avoir de la bouffe dans ça. C'est un donjon que j'ai besoin juste
des gens. Intéressant. Notre dernier trésor dans cette zone-ci. Parce qu'on va aller. Je vais faire un peu de jaune. Justement, ça va faire du bien. Illustration optique. On va vraiment s'occuper de tous les ennemis ici. Okay. On a lui ici. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ils sont bouffés par... Oui, il y avait des insectes, ça. Un petit peu plus de jambes. Je m'ai vraiment trompé quand j'ai fait ça. J'avais oublié qu'il y avait des petits... il y avait des petits bleus, des petits scarabées. Beaucoup.
Nice! 64 de plus! Et voilà! Fait que là, on a tous les items à la surface. Donc on va terminer cette journée. Et puis... Et voilà. Fait que prochain épisode, on va commencer les donjons dans cette zone. Donc on en a 3 à faire. Youpi youpi, mon argent de poche a doublé, c'est grâce à mon papa. Après tout, c'est un grand capitaine. Mais quand va-t-il enfin rentrer à la maison? Très bonne question. Je me demande si je peux finir le jeu avant 30 jours, ça je me demande. Donc on a tout sur la surface, on a un nouvel item. Illustration optique. J'ai l'impression d'avoir trouvé de nombreux objets qui se ressemblent. Peut-être que ces trésors étaient vénérés par des civilisations anciennes. Donc voilà pour l'épisode 15. Prochain épisode, on va faire la grande cuisine. Donc on va faire ça au prochain épisode. Merci d'avoir été là tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine.